Aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur qui nous a quittés. Eux ont versé le premier sang pour moi. Du genre de dinosaures qui nous ont pondus dans ce la vaut la médaille. Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Donc, j'aimerais dans cette vidéo lui rendre hommage. Oui, je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager. Je vous embrasse. Allons première. Ok. Top. C'est très difficile d'être indépendant et c'est un luxe que je... Peut-être de star si vous voulez, c'est vous qui l'avez dit. Mais c'est mon luxe, je veux dire, j'ai travaillé longtemps et beaucoup pour me permettre de faire ce que je veux, quand je le veux, avec qui je le veux. Bien, enfin ça c'est un détail. Non, pourquoi je ne suis pas allé? Parce que je n'ai jamais, depuis sa création, ça n'est pas nouveau, je l'ai toujours déclaré, je n'ai pas reconnu la légitimité des Césars. Et je me suis toujours refusé de participer de près de loin au César. Donc c'est une ligne, lorsque je me trace une ligne de conduite dans ma vie, je la tiens jusqu'au bout, j'aurai des Césars, peut-être d'autres, je n'irai toujours pas les chercher. C'est simple. Coup de caractère, ça, quand même. Hein. Pas un coup de caractère, c'est une question de tempérament et une question de décision. Je suis constamment agressé, verbalement ou par le biais d'un journal ou d'un truc. Mais pourquoi? Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de nature, si vous voulez, qui accepte. Moi, je suis quelqu'un qui combat, je suis quelqu'un qui répond. Je ne suis pas quelqu'un qui tend la joue droite quand on l'a giflé sur la joue gauche. Non, je suis plutôt style œil pour œil, dent pour dent. Bon, je ne suis pas rendez le bien pour le mal. Et je m'en excuse, je suis navré. Malgré que j'ai eu une instruction religieuse, je n'ai jamais réussi à m'y faire et à dire merci à quelqu'un qui me fait du mal avec un grand sourire. Je trouve que c'est déjà un tel privilège dans la vie de pouvoir faire la chose qu'on aime, de pouvoir faire le métier que l'on aime, ou différents métiers que l'on aime, que j'ai beaucoup de chance. Alors cette chance, vous pouvez la trouver, vous pouvez la saisir, vous pouvez la manquer, vous pouvez aussi la provoquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a très longtemps, vous me direz qu'on le dit, mais que tout fout le camp, il n'y a plus de valeur, je veux dire... Les sens ont disparu, le sens du devoir a foutu le camp, le sens de l'amitié a foutu le camp, le sens du respect a foutu le camp, le sens de la hiérarchie professionnelle a foutu le camp, enfin il n'y a plus grand chose. On voit, on est bien obligé de voir sous nos yeux tous les jours les gens qui, les êtres humains, disons, ces êtres créés par, je l'espère, le Seigneur, qui sont censés avoir une intelligence, une réflexion, certains des idéologies. Je les vois, je veux dire, pire que les animaux, c'est-à-dire à se foutre sur la gueule, à s'entretuer, à s'entre-déchirer, à faire couler le sang. C'est ce qu'on a essayé un petit peu dans le passage, de lutter contre cette espèce de violence, je veux dire, qui est humaine, qui n'est pas animale. Je veux dire, je respecte les animaux, je respecte la jungle, parce que je crois que ces animaux dans leur jungle sont beaucoup plus sensés et vivent beaucoup mieux que nous, animaux que nous sommes, dans notre jungle. Ça, c'est mon sentiment. Pensez ce que vous en voulez. Oui. La production, pour moi, était une forme de création. Et c'est à la suite de cela qu'en 64, j'ai produit L'Insoumis, que j'ai enchaîné immédiatement par Borsalino, qui a fait le premier film entre Delon et Belmondo. Et si vous voulez, c'est le producteur Delon qui a créé, qui a rêvé, qui a souhaité, qui a mis sur pied, qui a cherché l'histoire, qui a regroupé les éléments divers, le metteur en scène, les auteurs, les adaptateurs, et qui a fait que Borsalino existe. Mais je veux dire... de pouvoir faire à la fois, sans aucune prétention, Christian, de pouvoir faire à la fois notre histoire, Swann de Proust, Le Battant, Zorro, Monsieur Klein et Borsalino, je veux dire, c'est ça le propre et l'essentiel de l'acteur, c'est de pouvoir justement interpréter tous ces personnages. Georges Lautner, avec qui vous avez tourné Les Cinq Glaces, me racontait qu'il était terrorisé les premiers jours de tournage et qu'après, il ne souhaitait qu'une chose à la fin de ce tournage, c'est de refaire un film avec vous. Est-ce que vous mettez les gens avec qui vous travaillez mal à l'aise au départ? Je crois que j'ai compris le sentiment de Georges, je prends personnellement comme un compliment. C'est-à-dire que dans le fond, très difficile de dire cela venant de moi, mais je crois que les gens, au départ, sont bloqués parce qu'ils ne me connaissent pas. Et vous savez que lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, les déclarations les plus fantaisistes volent autour de son personnage. Et finalement, dans le fond, c'est un problème de méconnaissance. Et je crois que quand on me connaît professionnellement, j'entends, on voit les choses tout à fait différemment. Il faut vous dire que le métier que j'ai fait est sûrement le plus beau métier du monde, d'un enrichissement exceptionnel. J'ai fait 87 films et je peux vous dire que pratiquement 87 films, c'est 87 vies. Parce que je vous sais blindé, mais pas autant qu'on peut le penser. Oui, vous avez raison, parce que même après 20 ans, 30 ans, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que je trouve qu'il y a une espèce de c'est excessif, il y a une espèce de disproportion. Je n'ai agressé personne, je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je ne fais pas de mal, je ne suis pas... Bon,
Et je trouve qu'il y a des termes, il y a des façons de s'exprimer, de dire les choses. On sent une telle rancœur, on sent une telle jalousie, on sent une telle... On a l'impression de tellement déranger. Pourquoi ? Simplement par votre présence ou parce que quoi ? Parce que j'ose dire que j'ai du talent dans l'exercice de ma profession. Oui, j'ai du talent. Oui, je fais un métier que j'aime et je le fais bien et je les emmerde. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a cette agressivité constante et permanente. Elle monte, le courage de leur dire « oui, je vous emmerde bon. ». C'est fabuleux. Personne n'ose dire ça. Alors, ce que je vous laisse, non, c'est un peu non, je vous ferai, je, non, je vous donnerai pas raison. Non, non. C'est je ne m'enferme pas dans une solitude. Peut-être qu'on m'y enferme, je ne m'enferme pas. Vous savez, moi, j'ai qu'une envie, moi. Je vous le dis à vous, ou je leur dis à eux, je ne sais pas qui c'est, eux avec UX. Pourquoi vous ne me lâchez pas un peu les baskets ? Je fais mon métier bien. Conséquence de star, ça. Ça veut dire quoi, conséquence de star ? Je paye mes impôts. Je paie, comme on dit, ma rançon de la gloire. Sans en dire à quiconque, rien à personne, c'est je fais mon métier bien, je ne demande rien à personne. Je ne le fais pas pour eux, je le fais pour mon public. J'essaie de donner au maximum et de faire les choses au mieux possible pour mon public, pour celui qui m'a fait, qui m'a mis là ce soir, qui fait que ici ce soir chez vous, je suis star. C'est grâce à mon public, c'est pas à ceux, grâce à ceux qui bavent dans ces conneries là de magazine. Ceux-là, ils sont rien, ils n'étaient rien avant, ils sont rien pendant, ils seront rien après. Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français ou mondial ? Rien ! Moi, je resterai. Visconti restera, Belmondo restera, Depardieu restera, et les grouillots, là, les petits, les médiocres, les nuls, rien. Mais sans vouloir paraître prétentieux, je crois que lorsqu'on me rencontre, lorsqu'on me rencontre et qu'on me connaît et que l'on parle d'un sujet bien précis et bien défini, on n'a pas très longtemps cet a priori et on comprend très bien de quoi il s'agit, de quoi je parle. Je crois que rien n'est facile dans le monde, rien n'est facile, rien n'est gratuit, rien ne se donne, rien n'est dû. Je crois que tout se gagne, tout se mérite et tout se mérite par son travail, par son ardeur, par sa persévérance, par la conviction, je veux dire, mais surtout par le choix. Je crois que c'est important dans la vie, c'est le choix. Le choix de décider de quelque chose, le choix de faire quelque chose. Et lorsqu'on a fait un choix, quel qu'il soit, s'y tenir et s'y maintenir. Ça passe très vite la vie, ou c'est long une vie, quand on s'appelle Alain Delon ? Non, je trouve pas c'est long. Je trouve que ça passe bien, c'est au contraire, c'est même un peu trop court. Moi, pour vous comprendre les choses, j'ai cinq femmes, j'ai eu cinq femmes qui sont toutes mortes, et il y a quoi qui reste ? Et j'ai pas fini. J'ai compris un jour que de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'étais sûr que d'une seule chose dans ma vie, c'est de finir entre quatre planches de sapin. C'est la seule chose dont je puis certifier et être sûr. Le reste, on est sûr de rien. Dès l'instant où j'ai compris ça, je crois que ça a changé quelque chose d'important dans ma vie et que ça m'a permis de voir la vie et les choses d'une façon tout à fait différente. Je crois qu'il faut vivre. Je ne vis pas assez, je vous le dis franchement, je vous l'avoue, je vis mal. En ce moment, je vis mal, pour des raisons extérieures, pour des raisons personnelles, pour des raisons annexes à ma profession. Je crois que si j'avais un conseil à donner à Alain Delon, je lui dirais, prends le temps de vivre et vis un peu mieux, malgré tes affaires, parce qu'on est là pour vivre et pas là pour s'emmerder. Vous avez déjà... Il me semble que c'est une excellente conclusion à notre entretien. Non, j'aurais voulu avoir, si vous voulez, la philosophie du général de Gaulle qui a déclaré un jour d'une phrase absolument superbe, il disait « Et le soir, lorsque le soleil tombe sur Colombey, dans les mémoires de guerre, lorsque le soleil tombe sur Colombey, je regarde le ciel et les étoiles et je me pénètre de l'insignifiance des choses. » J'aimerais avoir cette philosophie. « Je me pénètre de l'insignifiance des choses. »